Gaston! Enfin. Gaston de Franquin. Hello les enfants. Comme un jour, ping-pong de bureau. Le lendemain, basket avec une poubelle percée en guise de panier. Je l'ai même vu jouer au foot dans les couloirs, si. Quoi, bon. Votre désordre contamine l'ensemble de la rédaction, Gaston. Bazardez-moi ce marché aux puces. Aujourd'hui même, maintenant. Dans la surface, plus fort que Johan Cruyff, il efface tous les défenseurs et adresse un centre à Platini. Moins de la colle sur les espadrilles. Tentative de lob du gardien. Oh, mais enfin. Elle est où la balle? Balle de bowling. Franchement, le braque, je lui demande juste de ranger un peu. Regarde dans quel état ça nous le met. Champion du monde. Qui a servi jusqu'ici à enfoncer le toit d'une voiture, fracturer trois orteils et vendre deux crânes, dont le sien? Bien, j'estime que cette boule de bowling a rendu assez de service. Qu'elle peut donc sereinement partir à la retraite et quitter ses bureaux ce soir même. Combien tu paries qu'il est même pas capable d'y jouer au bowling? J'allais justement vous proposer quelques exercices. Première épreuve, rangement de bureau. Prêt? Attention, partez! Bonjour, boule de bowling. Tellement bien planqué que j'ai fait bowling. Un pile-bouquet? Non. Ça, c'est un sport pour gonfler les biceps, les gars. Attention, tête. Mais pourquoi? Pourquoi toujours se casser la tête? Inventer du nouveau. Chute la gaffe, te Gaston. Oh, mais c'est tout 23% sur mon article à peine tapé. J'aurais pu pardonner, mais ajouter dommage de gaspiller cette bonne confiture. C'est un peu si triste, tartine. Gentil, Bouboule, gentil. Une journée de travail, ça passe plus vite quand on a des noix. Ben, celle-ci, elle est dure. Jamais rien vu d'aussi dur, moi. Oh, toi, tu veux savoir qui est le mort dans un trou de ma belle boule? Il est de noix. Ouais, bon, plutôt marrant, les trucs de Franquin, même si des fois, c'est un peu lourd.